J'ai connu ce lieu il y a quelques mois et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que le lieu était insolite, qu'il y avait, je sais qu'il y a des concerts, qu'il y a des, qu'il y a d'autres, enfin il y a eu d'autres exposants avant moi et c'était, l'idée était tout à fait originale parce que j'ai plutôt l'habitude d'exposer dans des galeries ou dans des endroits qui sont plus conventionnels et ici, il faut avouer que c'est quand même un endroit où il se passe plein de choses, donc il va y avoir de la musique, il va y avoir des gens très différents qui vont venir voir l'exposition. Et donc nous sommes trois à profiter de cet endroit. Donc, nous avons Véronique Duchesne qui est artiste peintre et sculpteur aussi, qui habite en région de Fontainebleau, et Emma Haël qui habite à La Ferté-Loupière, qui est peintre. Donc nous sommes trois femmes à exposer dans ce lieu. Je travaille avec modèles vivants, donc dans des ateliers. Le support reste le modèle, souvent le modèle féminin, c'est mon modèle de prédilection. Et ensuite, je vais interpréter ce que je vais pouvoir ressentir au niveau du modèle. Donc on va partir sur des choses plus expressionnistes, en peinture en tout cas. Donc je vais faire de l'acrylique, de l'encre. Et en sculpture, je vais plutôt travailler sur quelque chose de beaucoup plus académique, toujours avec des modèles. Alors cette exposition démarre aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est le vernissage. Nous serons là les trois week-ends jusqu'au 30 septembre, donc les vendredis, samedi, dimanche, jusqu'au 30 septembre. Nous serons présentes pour accueillir les personnes qui seront intéressées. On sera là aussi pour expliquer notre travail et